Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer une petite draft que j'ai faite hors stream, hors vidéo, rien du tout. Je suis arrivé en finale et je vais vous la proposer. Mais cette draft a une particularité, c'est l'une de, je crois, que j'ai le plus galéré pour arriver en finale. Pourtant, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça de suite. J'ai une plutôt bonne équipe, comme vous pouvez le voir. Un bel buteur, j'ai Neymar, Tots, Coquet, Tots, Ronaldo et Motem, Messi, Totti. Bref, une très belle équipe. Après, c'est vrai que pour moi, il manque un petit milieu de terrain. Après, j'ai pas grand chose. Puis, j'ai Ibora, mais j'aime pas. Un petit gardien, l'équipe, elle est parfaite. Mais quand vous allez voir mon parcours, vous allez comprendre que j'ai vraiment, mais alors vraiment, galéré. Premier match, 4-4. Donc déjà un match nul assez serré. J'ai gagné au tir au but. Deuxième match, 3-3. Donc déjà, c'est pas des 1-1, 2-2, donc 3-3, 4-4. J'ai gagné au tir au but. Et au troisième match, donc la demi-finale, j'ai gagné 3-2, but à la 89e. Donc, ce fut très compliqué. Alors pourtant, j'ai une bonne équipe. Mais dans cette draft, j'ai vraiment eu de gros problèmes de finition. Enfin, genre, j'ai dominé tous mes matchs. Ça voulait jamais rentrer. Puis eux, ils faisaient 2 tirs cadrés, 2 buts, 3 tirs cadrés, 3 buts. C'était un peu compliqué. À l'heure actuelle, quand je tourne la vidéo, il est 17h12 dimanche. Ça veut dire que Marseille a joué depuis 1h30. C'est la cata. C'est la cata. Moi, je vous le dis direct, si Marseille joue comme ça jusqu'à la fin de la saison, c'est sûr, je fais une tentative de suicide, c'est plus possible quoi. Je veux bien que tu sois pas bon, c'est possible que t'aies des joueurs qui soient de temps en temps, pas dans un gros match. Mais putain, le mot courir, il faut le conjuguer à quel temps? Au passé pour qu'ils fassent, qu'ils comprennent que c'est un truc qui doit, c'est une action qui doit durer dans le temps et non une action qui date du passé. Ça marche, Diaby, il trottine. Oh bah Diarra, j'aime beaucoup Diarra, je respecte beaucoup Diarra. Mais quand t'es capitaine d'une équipe, même si t'es en instance de départ, tu dois jouer au football. Il a marché tout le long. Bref, allez, on va changer de sujet parce que je sens que j'ai énervé et ça va pas être le bon machin. On va essayer de se venger contre l'adversaire, même s'il m'a rien fait l'adversaire, mais c'est sûr, faut que je gagne ce match. Donc c'est parti pour cette finale. Voilà, je suis à l'arrache, je suis même pas sapé, même pas coiffé, j'ai pas vous enlever le casque, vous verrez des cheveux partir comme ça. Mais bon, c'est la cata, genre Marseille, quand ça m'énerve, vous vous rendez pas compte, j'aime Marseille plus que tout au monde, je supporterai Marseille à la vie et à la mort. Mais quand tu cours pas sur un terrain de foot et tu touches des millions d'euros, et moi tu me fais jouer même si je tiens une demi-heure, même si je tiens trois quarts d'heure, mais je vous jure, je cours jusqu'à crever sur le terrain, je vous dis direct. Mais non, il y en a à Marseille, ça marche. Enfin bref, allez, on va s'attaquer un petit peu à la vidéo. On va se concentrer sur cette finale de draft. Ça fait longtemps que j'ai pas posé en plus en vidéo. Ouh, putain, belle petite équipe. Enfin, belle petite équipe en draft, c'est compliqué. Alors là, Sonadjara, c'est perdu. Un peu comme sur le terrain contre Guingamp. Ansaldi, ouais. Maicon à droite. Et bizarre son équipe, hein. 83 notes. Le collectif, il s'en bat les couilles totalement. Puis bon, on va quand même préciser un petit peu. J'ai rien contre les Lyonnais. Mais ils ont de la chance, ils jouent très bien, ils ont de la chance avec les pénaltys. Nous on joue super mal, mais alors les arbitres pour siffler un pénalty, zéro. Si on pourrait s'inspirer un peu du jeu lyonnais pour progresser, ça serait un bon point. Hein, j'espère Franck Passy. Partagez la vidéo les amis sur les réseaux sociaux à Franck Passy, il va regarder et il va comprendre comment il faut jouer au foot. Allez les amis, c'est parti, let's go to the beach. La finale elle est pour nous, on va tout faire pour la remporter, c'est parti. Mais ça commence bien. On dirait Marseille. Ça fait 20 secondes que je joue. IRL, 2 minutes dans le jeu. On va perdre demain, c'est n'importe quoi. J'ai les nerfs qui vont monter. Putain. Et là, ça va dire qui marque en plus. Putain. Bien joué. Allez, Léo Messi. Oh non. Un peu plus de vitesse, Messi. On dirait Diaby. But. Oh, bel arrêt du gardien. C'est pas possible, 2 tirs cadrés, 2 buts, je suis à 5 tirs pour le moment, je crois. Et il marque 2 fois. Je t'ai dit, c'est grave, c'est la cata. Allez, allez, Bale. Poteau. J'ai vraiment pas de chat, mais c'est ouf. Oh là là, il m'arrache, il m'arrache. Faut mettre des rouges à un moment. Enfin, je sais pas, il a aucun défenseur central à part Chiellini. Et tu peux pas passer dans cette défense. Bah oui, carton rouge, enfin, faut arrêter, quoi. Le collectif, 80 de collectif, il a un central sur 4 défenseurs en total. Bref. Bon les amis, c'est la mi-temps, comme vous pouvez le voir. Et ben voilà, 4 tirs cadrés à 5. Il a 80 de collectif, j'en ai 100, et tu perds 2-0. Oh la magie du collectif, ça, j'espère vraiment, mais vraiment que ça va être corrigé, genre FIFA 17. Hein. Putain.
Oh là là, puis les arrêts, ça se multiplie, ça se multiplie. Bien joué. Ouais, c'est un but de merde, je sais, mais bon, tu fais tellement de tirs cadrés, tu marques tellement pas de buts, comme des équipes qui n'ont pas de collectif, t'es obligé de faire ta pute, hein. Et je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Bien joué. Neymar, oui. Yes! Bien joué Neymar, les amis ont été menés 2 à 0. Va-t-on faire une remontada? Je ne sais pas, mais 74e, c'est Neymar qui va inscrire son petit but. Belle petite balle de Léo Messi, le contrôle est vraiment parfait, la finition, avec un petit peu de réussite. Mais qui finit au fond, 2-2. Bien joué, avec Léo. Oh, penalty. Et oui, penalty. Toi, en vrai, pour Bounassar, il n'y aurait pas eu faute. MDR, allez, 77e, 2-2. Peut-être la balle de 3-2, là, je ne sais pas. Sur Léo Messi, petite faute de Mekan. Allez, CR7, Ves, Juanigi Buffon. Allez, CR7, allez. Oui, la remontade, allez, pour nous, les amis, pour le moment, 78e. On était mené 2-0. Et là, on mène 3. Buts à deux. C'est un maillot noir, hein, bien sûr. Bien joué. Allez, 4-2, là. Là, c'est 4-2, ça. Ça, c'est 4-2. Bien joué, Iniesta. Voilà. La victoire, elle est pour nous. Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas des trucs putaclic, c'est pas des titres mensongers. C'est la galère, cette draft. C'est fou. Bien joué, Iniesta. Il y a encore un petit poteau, hein, toujours plus. Mais bon, il est rentrant, cette fois-ci, ça fait plaisir. Bien joué. Ouh, merci. Là, il est vraiment en train de craquer. Ouais, il craque. Ouais. Bien joué. 5-2. Là, il a craqué en... Allez. En 10 minutes, il s'est pris peut-être 3 buts, je crois. Mais bon, tant mieux pour nous. Voilà, la victoire. La remontada. Bien joué. Oh là 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 là. Ce fut très compliqué, les amis, cette finale de draft. C'est comme je vous le disais, quoi. Il n'y a pas de souci. Comme quoi, un match n'est pas fini. Et ça, je pense que les Marseillais devraient peut-être comprendre un peu. 2-0, c'est quoi 2-0 dans un match de foot? C'est rien. Tu peux largement remonter. Sachant qu'on s'est pris des buts, comme vous avez pu le voir dans le match, très rapidement. Lassine Diarra a marqué un magnifique but. Qu'est-ce qui va marquer un but comme ça, quoi? Il est entouré de joueurs, enfin de très rouges. Il doit avoir 3 de collectifs. Mais il te marque des buts comme ça. Alors que moi, j'ai des joueurs de folie qui traînent. C'est le collectif, j'espère vraiment. Mais j'espère vraiment qu'il va être amélioré sur FIFA 17. En tout cas, on remporte ce match. Vous allez dire facile. Oui, t'as gagné 5-2. Mais bon, on était quand même mené 2-0. On a enchaîné. On a marqué 2 buts à la 90e. Et on domine tellement. Ça, c'est ce que vous voyez à chaque match. Ceux qui suivent mes streams. Mais il y a toujours 2-2, 3-3. Ou alors on gagne de 1 petit but. Mais bon, le plaisir était là. En tout cas, je vous ai kiffé cette vidéo. Une belle remontada 2-0. Et en plus. C'est un gameplay qui peut correspondre à ce que on a pu voir, ceux qui ont vu Marseille-Guingamp, enfin Guingamp-Marseille, se prendre un but au bout de 30 secondes IRL, dans le jeu ça fait 2 minutes. Voilà, et ben c'est exactement ce qui s'est passé, je dormais, comme les Marseillais. Bon, 4-4, victoire au tir au but, 3-3, victoire au tir au but, 3-2 et 5-2. Et ben c'est pas mal ça, mais bon, ce fut chaotique, hein. Franchement cette draft elle était très compliquée. Et t'as des packs de merde, tu gagnes une draft et t'as des packs de merde, mettez-moi un pack à 50k, je sais pas. Bon, j'espère que ça aussi va être amélioré pour FIFA 17, hein, parce que quand tu gagnes une draft, t'es quand même au summum de la draft, tu peux pas aller plus haut. Ça serait bien qu'ils mettent un peu mieux comme pack, enfin je sais pas. Histoire d'être au moins remboursé à chaque fois, parce que tu débourses 15 000 crédits, tu gagnes, allez, hein, peut-être 2 000 crédits sur tes matchs en total, et encore, faut arriver en finale. Et puis t'as des packs comme ça, où c'est des packs à 5 000 crédits, ils te donnent des packs à 5 000 crédits quand t'as gagné une draft. Ok, j'ai deux packs à 25k. Mais bon, ça équivaut jamais à 15 000 crédits au final. À moins de taper un bon joueur. Mais ce qui est quand même aussi très rare. Quoique. Oh, Dimitri Payet, Benteke. Oh, dommage, j'ai pas mis de la version Crystal Palace. Bon, c'est des petits bons joueurs. Faut être franc. Thauvin qui a marqué un beau petit but quand même. Ouais, enfin, c'est l'un des seuls avec Maxime Lopez qui sait jouer au football. Ouais, bon, reste on discard. Thauvin, je l'ai déjà. Donc 3000 crédits plus quasiment 1000 à chaque fois. On rembourse pas du tout une draft, ça c'est vraiment dommage. Et j'espère vraiment que ça va être amélioré pour FIFA 17. Enfin, au moins donner des meilleurs packs. Parce que là, quand tu vois sur qui on tombe, tu sais très bien que c'est la tristitude. Dieu merci Mbokani, Rodwell, Collins, ouais, ok. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui fut assez cool. Bon, on a mélangé un peu Marseille et...
et le draft. Je sais pas si vous aimez ce genre de truc parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Marseille. Mais bon, voilà, c'est une vidéo où j'étais pas top, faut être franc. J'étais déjà énervé de base. Donc quand tu commences un match FIFA, t'es énervé de base. Voilà, hein. Des fois tu peux te faire rétamer. Bon, au final, on gagne le match. Je fus quand même chaotique en espérant gagner le futur draft et que Marseille commence à gagner un match de foot. Ça pourrait être inquiétant. Ça pourrait être pas mal. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.